Salut à tous, c'est Breads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, pas forcément utile, mais qui va être plutôt intéressante, vous allez le voir. Alors, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, dans cette vidéo, ça va être les objets, enfin du moins les items Rocket League les plus chers du jeu. Alors, je vais pas faire une intro trop longue, mais je tiens quand même à préciser avant que la vidéo commence, j'ai fait un format différent de tout ce que les autres youtubeurs peuvent faire à lister les meilleurs items Rocket League. Moi, j'ai listé les items par catégorie, du genre explosion, de la moins chère à la plus chère, enfin non, la liste des plus chères. J'ai vraiment tout fait, genre même jusqu'au bruit moteur et jusqu'aux bannières et portraits, hein, carrément. Bon, vous allez voir, il n'y en aura pas beaucoup de ça, mais du coup, ouais, boost, roue, tout ça. Je vous mets tout de suite à l'écran la catégorie qui vous intéresse, le temps dans la vidéo où je vais présenter la catégorie qui vous intéresse. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entière, vous allez voir, c'est très intéressant quand même. Mais si vous avez une catégorie qui vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez y aller directement. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Alors en premier, on va commencer par les châssis, les voitures. Alors tout simplement, on commence par la Maverick GXT en blanc titane, 1500 à 1700 crédits. Vous allez voir dans toutes les listes, que ce soit voiture, peinture, roue, la plupart ça sera du blanc titane parce que forcément le blanc titane c'est le plus cher. Il y a aussi le noir qui est très cher, vous allez voir, mais c'est le blanc titane et le noir les plus chers. Deuxième voiture, la Jaeger 619 en noir. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit, 3800 à 4100 crédits. J'aimerais juste quand même rappeler que 1 euro c'est égal à 100 crédits dans le jeu. Donc là, vous voyez déjà, rien que la Jaeger 619 en noir, c'est pas une voiture ouf, mais elle coûte quand même déjà 38 à 41 euros. On peut comparer ça comme ça. La Fennec en blanc titane, que j'ai d'ailleurs, pas échangeable malheureusement, mais que j'ai, 10,4 000 à 11 000 crédits. Ça fait quand même plus de 100 euros. Là, on dépasse la barre des 100 euros. Deux dernières voitures, vous vous en doutez, on a la Octane en blanc titane à 16,5 000 à 18 000 crédits. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que c'était la Octane qui était toute première sur le podium, mais non, parce que la toute première sur le podium, c'est la Dominus en titanium white blanc titane, 32 000 à 36 000 crédits. Alors attendez, petite pause. Là je suis en train de faire le montage les gars, je suis allé revérifier comme ça vite fait les prix des objets sur RL Insider. Et parfait exemple de ce que je viens de vous dire, j'ai pris les prix qui venaient d'hier si vous voulez. Donc je crois que je vous parlais de l'Octane, elle devait être à 16 500 et la Dominus à 32 000. Je vous mets des photos à l'instant, en un seul jour, regardez comment elles ont augmenté. Elles ont augmenté de 20 euros, donc 2000 crédits environ. Donc vous voyez, parfait exemple qui prouve que les prix sont complètement fluctuants. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire, vous faites ce que vous voulez de cette information. Allez, bisous. Dites-vous, il faut lâcher quand même 320 euros pour avoir cette putain de Dominus. C'est chaud quand même. Maintenant, on passe aux peintures. Peintures, il y en a à peu près le même nombre que les voitures, il y en a même un petit peu plus. On commence par dissolvant, 2300 à 2500 crédits. Ensuite, on a Interstellar en blanc titane, peinture qui est là depuis pas très longtemps, qui est sortie il y a pas longtemps, 2600 à 2800 crédits. Plutôt sympa, je trouve. C'est l'une de mes peintures préférées du jeu. Après, on a RLCSX pour la Octane en blanc titane, 3100 à 3400 crédits. Ces peintures-là, les gars, vous pouvez les avoir que en regardant les lives des Rocket League Champions Series, donc les RLCS en gros. Vous regardez les lives, vous connectez votre compte Twitch à votre compte Rocket League et vous aurez peut-être la chance de drop quelque chose. Mais bon, vous vous en doutez, pour une peinture RLCX blanc titane pour la Octane, 3100 à 3400 crédits, c'est qu'elle doit être sacrément rare à drop quand même. On a ensuite Hexagone volant en blanc titane, 3900 à 4200 crédits. On enchaîne par Beautir pour la Octane en blanc titane, 6800 à 7400 crédits. Ça commence à monter, hein, quand ça tapait les 70 euros là. Ensuite, là, on dépasse la barre des 100 euros. CRL Northern Octane, blanc titane, 10,8 000 à 12 000 crédits. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ensuite, on a ordinateur central en blanc titane, 14 000 à 15 500 crédits. C'est vraiment des prix incroyable quand même. Et on termine encore plus cher que la Dominus Titanium White. En plus, vous allez voir, c'est une peinture qui sort de nulle part. C'est Bolide du désert pour la Octane, blanc titane, 37 000 à 41 000 crédits. Ça fait quand même 400 euros la peinture, hein, je veux pas dire. On enchaîne du coup pour les roues. Alors, on commence avec les fameuses Draco blanc titane, 2900 à 3100 crédits. Tout le monde les connaît, pareil. Après, on a les Zomba en blanc titane, 3100 à 3400 crédits. C'est seulement 200 crédits de plus que les Draco. On a ensuite les Decennium en noir, 6000 à 6600 crédits. On enchaîne
du coup par les Tunica exotiques noires, 6200 à 7000 crédits, ce qui fait pas mal quand même déjà. Les Velos en exotique noir qui sont seulement 200 de crédits de plus, 6400 à 7000 crédits. Ensuite, même prix, les Z-Play, 6400 à 7000 crédits. Là, les prix sont très similaires, mais vous allez voir à la fin, c'est vraiment exorbitant. On a ensuite les émeraudes en blanc titane, 14000 à 15500 crédits. Ça commence à faire. Les Dieti exotiques en noir, 24000 à 26000 crédits. Ça fait quand même déjà 240 euros. Et là, les fameuses Apex en blanc titane. Je vous laisse juste là 3 secondes pour trouver le prix des Apex. Alors le prix des Apex, c'est le plus cher qu'on a pour l'instant, c'est 700 euros. Vous vous rendez compte quand même, lâcher 700 euros pour un item dans un jeu, 70 000 à 80 000 crédits, c'est juste incroyable. Bon, du coup, là, on passe au boost. Alors, on commence avec Hot Rod en blanc titane qui coûte 1300 à 1500 crédits. Je pense que c'est l'un des moins chers de la liste. Après, on a Standard, le boost standard en noir qui coûte 2000 à 2200 crédits. Ça fait tout de même 20 euros pour un boost standard, mais il est vraiment stylé. Ensuite, on a Fusion en blanc titane, 2000 à 2200 crédits. On enchaîne par Rayon Solaire en blanc titane, 2900 à 3100 crédits. Et on finit par Helios en blanc titane. Alors là, c'est tout un autre ordre de prix, c'est carrément 12000 à 13000 crédits. On arrive vraiment sur du 120 euros pour le boost le plus cher. C'est tout pour les boosts. Du coup, maintenant, on passe aux chapeaux. Alors les chapeaux, il y a LFT en blanc titane, 600 à 800 crédits. Alors oui, pour les chapeaux, ne vous attendez pas à des prix incroyables. Il y en a aucun qui dépasse les 1000 crédits. Après, on a bracelet secousse 3 en blanc titane, 700 à 900 crédits. Ça fait quand même tout de même cher pour un simple chapeau. On a ensuite auréole en blanc titane, la fameuse auréole, 750 à 950 crédits. Et on finit par aile de phénix 3 en blanc titane, 900 à 1100 crédits. Vous voyez là, ça dépasse pas les 1000 crédits. Normal, c'est des chapeaux, ça serait un peu n'importe quoi s'il y avait des chapeaux qui tapent dans les 2000 crédits. Ensuite, on enchaîne sur les traînées. Les traînées, on en a que 3. Alors on a la EKG OMG en noir, 1750 à 1950 crédits. On enchaîne par onde laser 3 en blanc titane, 2000 à 2200 crédits. Ça fait tout de même 20 euros pour une traînée. Et on termine par EQ, EQ, ça se dit EQ normalement en anglais, blanc titane, en blanc titane, 7800 à 8400 crédits. Alors 7800 crédits pour une traînée, faut les mettre quand même. Ça fait quand même 78 euros. Moi j'aurais un peu la flemme de foutre 78 euros dans une traînée. Ensuite, on arrive sur les explosions de but. Alors les explosions de but, bizarrement, il y en a pas tant que ça, vous allez voir. On commence par briser en blanc titane, 2800 à 3000 crédits. Je pense que ça fait à peu près son prix. Ensuite, on a feu d'artifice en blanc titane, 3300 à 3600. Ça monte un petit peu de plus en plus. Là, on va doubler le prix carrément parce que on a vampire en noir, 6600 à 7200 crédits. Et enfin, on termine avec le plus cher, la faucheuse en blanc titane, 13000 à 15000 crédits. 13000 crédits, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de crédits pour une explosion de but. Ensuite, on va passer au bruit moteur et au bannier et portrait. Alors, je les fais rapidement parce que vraiment, c'était pas très important, mais j'ai voulu en mettre quand même parce qu'il y en a qui coûtent quand même des quelques milliers de crédits. Alors bruit moteur, on a seulement moulin à parole qui coûte 800 à 1000 crédits. Je vous mets l'audio dès maintenant, vous allez voir, c'est plutôt drôle. Et donc du coup, pour les bannières et les portraits, on a friande beignet en blanc titane, 600 à 800 crédits. Et ensuite, on a couronne en blanc titane, 1100 à 1300 crédits. Ça fait quand même cher pour un portrait et une bannière. Mais écoutez, si vous avez les sous et que vous aimez bien ça, n'hésitez pas. Et ensuite, on termine. Alors, je suis sûr que toute la vidéo où vous avez attendu que je les cite, par exemple dans les chapeaux, dans les roues ou les boosts, tout ça, on a les récompenses alpha. Et oui, les récompenses alpha, c'est les items les plus chers du jeu. Mais quand je vous dis les plus chers du jeu, c'est vraiment les plus chers du jeu. Alors on commence par le moins cher, hein. Le moins cher coûte quand même déjà 145 euros. 14 500 à 16 000 crédits, on a la pépite d'or. C'est tout, c'est des récompenses pour la bêta. Ensuite, là, le prix, on le multiplie par je ne sais pas combien, énormément, presque par 10. On a la casquette d'or qui est à 120 000 crédits, à 140 000 crédits. Vous vous rendez compte, ça fait quand même 1200 euros. Hein. Mais vous n'êtes pas prêt pour le dernier. Ensuite, on a la pierre d'or qui coûte 350 000 à 450 000 crédits. C'est cher pour des roues. Qu'est-ce que c'est cher? 3500 euros pour ça. Avec 3500 euros, vous pourrez avoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez IRL. Un bon setup, un super bon setup. Une voiture même si vous voulez. Mais non, faut vous dire qu'à 3500 euros, il y a un item dans Rocket League.
Et là, vous n'êtes pas prêt. Dernier, rué vers l'or. C'est un boost. C'est le boost le plus cher du... C'est même l'item le plus cher du jeu. Enfin, sans compter le White Hat que je vous parlerai juste après. La ruée vers l'or, c'est 800 000 à 900 000 crédits. 8000 euros pour un item dans un jeu. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a autant d'argent dans certains items sur ce jeu. 800 000 à 900 000 crédits. C'est vraiment des prix incroyables. Et je vais finir tout ça avec la fameuse légende du White Hat. J'en fais peut-être un peu trop. Le White Hat, en fait, je vous parlais de ruée vers l'or qui coûte 800 000 à 900 000 crédits. Ça fait 8 à 9 000 euros. Là, le White Hat, c'est encore plus rare que la ruée vers l'or et plus cher. Parce que tout simplement, l'histoire du White Hat, si je me trompe pas, c'est au début de Rocket League, les gens qui essayaient, si vous voulez, de craquer Rocket League, de rentrer dans les fichiers du jeu pour modifier des petits bugs que Psyonix avait laissé au début du jeu. Et ben, ces gens qui arrivaient à craquer le jeu et à rentrer dans les bases de données, dans les informations, et qui faisaient un rapport à Psyonix sur comment est-ce qu'ils ont fait que Psyonix règle le bug en jeu, et ben, ces gens-là se voyait recevoir un white hat, un chapeau blanc, donc de toute façon je vais vous l'afficher à l'écran. White hat, il y en a moins de 30 dans le monde si je ne me trompe pas. Vous donnez un ordre de prix, les prix sont très très différents, mais dites-vous que ça dépasse largement les 10 000 euros IRL, donc les 1 million de crédits. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, 1 million de crédits, c'est un truc de dingue. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Voilà donc ces petites listes des items les plus chers de Rocket League. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo détente comme ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait quelques erreurs. Il est possible que j'ai fait quelques erreurs. Encore une fois, je tiens à rappeler que les prix de chaque item changent tout le temps. Donc si vous regardez par exemple cette vidéo en janvier 2022, je dis une date au hasard, les prix, la plupart des prix seront assez différents. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à liker si la vidéo vous a plu, bien sûr. Un petit abonnement, ça me ferait vraiment très très plaisir, les amis. Vous savez pas à quel point ça me motive de voir que beaucoup de personnes s'abonnent à moi, surtout en ce moment, ça me motive vraiment beaucoup. Et donc du coup, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Bretzel, ciao.